Oh, j'ai changé la nappe, c'est un rideau à tata. J'arrive pas quand ceci a tout jeté, c'est beau. J'ai réactivé l'imprimante là. Putain, les bruits que ça fait trembler tout et tout. C'est du HP. Préparation de ne pas interrompre. Bon. Robocop 17 en mode réactivation. C'est comme mon DDR2, ça y est, il est réactivé. Oh, c'est cool. 6PO, c'est toi? Allô? Allô, 6PO? Oui, effectivement, c'était. Tout à l'heure, il y a tout qu'à trembler, ça a fait un truc bizarre. Non, non. Bon, ça tombe plus, ça y est, ça devrait être fini. On ne pas interrompre. Si vous faire, il faut ne pas interrompre. Il faut que ça chauffe. C'est bon, s'il n'y a pas de diesel sans bougie. Bienvenue. Bienvenue dans Print ce boom. Du coup, moi je voudrais faire. Alors, photocopie. Copier. Attends. Voilà, faut comprendre des trucs. Pas envie, moi. Retouche, impression. Non, t'en fais les bruits bizarres. Tout. Menu, copie. Pour faire ok bon. Appuyez ok quand terminé voilà, nombre de copies une tout. Je comprends un beignet moi vas-y ok copie. Nombre de copies et le nombre. Donc je fais quoi? Bon c'est bon, ça m'a gonflé. Bon, il n'y a pas autre chose. Noir. Vous êtes sûr? En plus, ça se trouve, ça marche. C'est ça qui est génial. C'est pas 6PO, c'est 6P web. C'est une clé web dans ton truc. Est-ce qu'on peut infrarougifier le système? Putain, ça me prend la tête. Putain, en plus, ça marche. Ouais, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est au top. On fait des bruits D3R3 ou quoi. Bon. Ah, c'est parce qu'il y avait deux feuilles coincées. C'est ça que ça a merdé. Il y avait deux feuilles coincées. Alors voilà, la nuit était tombée dans la 14e constellation. Le père avait fermé les tables et il arrive à table. Tous ses enfants sont là. Marie a cuisiné. Du canard déchaîné. Bon. Avant de manger, il dit, racontez-moi ce qui se passe sur Terre. Puis Moïse se lève et dit, Père, je comprends pas, j'ai pourtant donné la table des lois, mais tous s'entablent comme de l'an 40, tout est corrompu. Bon. Le père répond, c'est rien, fils, tout sera bientôt réglé. Nickel. Bon. Deux. Le petit Judas se lève et dit « Ben moi, je trahis avant, pendant et après. Le 11 septembre, c'est trop bon. Je les ai tous enfumés. C'était super. Mais quand même, je me suis pas pendu sur terre. » Le père répond «
C'est rien, fils. Cause à Lulu. Bon. Là, faut capter après. Hein. 3. Le petit Lulu. Lucifer réplique. Ah ouais, mais quand même, on a fait fort devant ce trou du cul. Ils sont si téléatrophiés. C'est rigolo quand même. Le père répond. Si tout disparaît, vous n'aurez plus de jouets. C'est long l'éternité pour les sales gosses. Mais c'est bon, faut avouer à demi pardonner, qui dit papa. Bon. 4. Là, Momo et Jésus se lèvent, Mahomet et Christ, et disent « Père, ça ne va pas du tout, il bougit tout sur terre. On n'y arrive pas, pourtant on y travaille dur. » Rien qu'à Nice, nouveau livre sur Escrozy, sur Sarkozy. Mais ailleurs, c'est pire, ils ont vendu armes et guerre. Maman est si triste. Mais mam, alors entre parenthèses, allio Marie, ça c'est pour rigoler. On n'a rien à foutre. Ciotti suce les couilles à Fillon. Hollande fait du mauvais fromage. Il n'y a pas l'atome. Et le père dit, c'est rien, mes ptios, je vais régler ça. Mes meilleurs enfants. C'est gentil, ça, putain. Envoyé spatial pour l'éternel. Et Bouddha dit, ben moi, c'est pareil. Ils regardent trop la télé, ceux qui en ont. Les autres ont faim et soif. Que faire, père? L'alliance des peuples est la seule solution. Le pouvoir part pour et avec les peuples. Inch'Allah, dehors les oligarchies de merde et les plutocrates de mes deux. C'est par erreur qu'ils gouvernent. Lulu est vraiment un petit con. Voilà, ça. Oh père, merci de me dire cela. C'est balèze la supraconduction synapsoïdale. Bon, d'accord, on va essayer une autre. Alors. Poète. Ah ouais? La 14e constellation. En gros, c'est le petit Lulu, Lucifer. C'est vraiment lui qui est un enculé. T'as des Lulus, ils sont super bien. Ça y est, ça marche plus. Ok. Ça fait bouger la table et tout. Hein. C'est sismique. Et alors? Bah copie. Et peut-être du papier. Bon, déjà, ça a marché pour une.